Elles sont en son, elle est insoumise. Je m'adresse à ceux qui prennent leurs pieds en branlant leur kalachnikov. Si vous n'aimez pas le rock, l'alcool et le sexe, n'en dégoûtez pas les autres. Elle est très engagée, elle est très morale. Extrêmement morale dans une époque qui est assez amorale quand même. Elle est droite dans ses bottes, elle n'a pas l'air bien. Pour un temps, elle serait plus libre. Après, ça plaît en Belgique. En Belgique, c'est quand même une grande force. Qu'est-ce qu'elle fait belle chez elle, sa façon de dire 8 ou 98? Elle dit 8 ou 98? Oui, elle a une bonne descente. Elle est belge. Quand on part avec elle en vacances, elle conduit même sa voix de respect à la lettre le code de la route. C'est 2 heures de route, c'est que vous arrivez avec 3h30 de retard. Je crois qu'elle est ambitieuse dans le bon sens du terme. Elle a de l'ambition dans ce que ce mot a de noble. Elle n'est pas carriériste, elle n'est pas opportuniste, elle est ambitieuse. Elle est très instinctive. Mais en aucune façon, elle a une route tracée, des envies, des plans, une stratégie, rien de tout ça, absolument rien. Elle m'a dit, elle ne sait pas, qu'elle adorerait faire des ébénisteries. Elle adorerait être ébéniste. On imagine qu'elle est ébéniste, elle n'a pas de patience, elle a zéro patience. Alors, elle prétend qu'elle apprend à l'ébéniste. Charlie, l'ébéniste, alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ébéniste ou ébéniste? Non, j'ai pris un peu au hasard, je voulais un métier manuel. Elle me dit, tiens, si tu devais changer de métier, qu'est-ce que tu ferais? Et j'ai dit, bah, je pense que je ferais un métier manuel. Puis la régie me dit, non, c'est plutôt dans une ONG que je vais rencontrer, je crois. La musique, ça a pas partout dans votre vie, vous travaillez avec de la musique, vous en écoutez. Oui, bah, je ne vois pas trop bien le concert, mais oui, la musique, c'est quelque chose. Je baigne pas mal dedans, c'est vrai, quand j'écris. Il y a un événement, évidemment, il y a l'Eurovision, ce sera le 13 mai, et il y a une nouvelle interprète, c'est Alma, elle est chanteuse, auteur, compositeur, et elle est sur le plateau de Thé au Café, et elle vient en fait nous apporter sa nouvelle chanson, elle va nous défendre, elle va défendre nos couleurs, alors on va la rencontrer dans quelques instants, mais auparavant, elle accepte de nous interpréter Requiem, et qui va donc reprendre. Nous. Ça va?